Merci, Madame Elisabeth Guégou. Je voudrais, avant de continuer, présenter mes excuses aussi bien à Madame Guégou qu'à Monsieur Tchèque Tidiane Gadio, parce que j'ai promis que je vais suivre l'ordre qui a sur la liste qui m'a été remise. Et puis, j'ai été distrait, j'ai sauté le nom de Monsieur Gadio, qui veuille bien m'en excuser. Alors, je lui donne la parole, mais je le présente rapidement. Il est président de l'Institut panafricain de stratégie, mais il m'a fait l'honneur de me faire mettre dans le conseil d'administration de cet institut. Et cet institut, je me dois de le dire, a pris pour la première fois sur le continent africain l'initiative d'organiser un grand forum à Dakar sur la paix. Il l'a fait deux fois, puis bon, maintenant le forum existe encore, mais ce n'est plus lui qui manage. Il a été ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et il est actuellement député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Je donne la parole à monsieur le ministre d'État et monsieur l'honorable député Cheikh Tidiane Gadio. Merci infiniment, Monsieur le Président. Ayant été ministre des Affaires étrangères pendant une dizaine d'années, j'ai toujours parlé à l'époque avec un langage convenu. Et depuis que je me suis libéré de cette contrainte, je parle un peu plus librement. Et c'est pour vous avertir et vous préparer à ce que je vais dire. Nous estimons au niveau de mes collègues de l'Institut panafricain de stratégie que le monde a décidé pour l'essentiel de laisser l'Afrique avec ses problèmes. Nous avons deux preuves essentielles de cela. C'est la demande répétée du Mali, du Sahel et de l'Afrique de transformer le mandat de la MINUSMA au Mali en un mandat beaucoup plus crédible, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus robuste. Parce qu'envoyer aujourd'hui au Mali, dans un pays africain essentiel, 1 200 000 km², qui concentre l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, toute notre fierté, tout notre patrimoine culturel, historique, religieux, envoyer 12 000 hommes et les mettre dans des casernes pour qu'ils maintiennent la paix au Mali, ça pose un sérieux problème. Quel pays a-t-il à maintenir au Mali quand les attaques se font chaque jour? La dernière fois, 60 soldats enlevés, 40 soldats assassinés par les djihadistes. Le monde n'a même pas estimé qu'il fallait en faire un titre des grands journaux. Ça ne semblait pas aussi important que cela. Donc nous nous sommes dit qu'il se passe quelque chose avec l'Afrique et particulièrement avec le Mali. Le refus de financer le G5 du Sahel. Combien de fois on a dit à l'Afrique, prenez votre responsabilité, organisez votre sécurité, défendez-vous vous-même. Les Africains mettent en place un dispositif et il y a depuis 2-3 ans un débat et beaucoup de refus de financer le G5 du Sahel. Et donc, nos soldats sont là, nos troupes d'élite sont là, les armes au pied, parce qu'ils n'ont pas de munitions, ils n'ont pas de moyens de se battre. Les djihadistes sont supérieurs en armes et en liberté de mouvement. Et la dernière fois au Mali, les djihadistes ont attaqué une garnison de nos troupes d'élite, c'est-à-dire du G5 Sahel. Et ils en ont tué beaucoup. Donc, je dis quelque part, le monde est en train de mettre l'Afrique face à ses responsabilités. La crise sécuritaire du continent n'a jamais atteint le niveau qu'il a atteint aujourd'hui. Et tout le monde se contente de dire la crise du Sahel. C'est pour ça qu'au niveau de notre institut, nous risquons un concept. Il faut désahéliser la crise sécuritaire de l'Afrique parce qu'elle va au-delà du Sahel. Désahéliser la crise sécuritaire en Afrique parce qu'elle va au-delà du Sahel. La crise sécuritaire est catastrophique, due essentiellement en grande partie aussi à une action menée par nos amis occidentaux avec le soutien des Nations Unies en Libye. Et tout le monde sait ce qui s'est passé. Ils ont été beaux, ils ont reçu des avertissements de ce qui allait se passer après. Ils n'en ont pas fait, ça ne les a pas particulièrement intéressés. La conséquence, c'est quoi? Le plus grand désastre sécuritaire que vit l'Afrique aujourd'hui. Nous sommes attaqués de partout. L'épicentre du terrorisme mondial est en train de déménager ses opérations en Afrique. La Libye, on vend des Africains dans des marchés publics comme des esclaves. Tout le monde le sait, le monde entier. Personne n'a pensé qu'il fallait en faire une affaire mondiale et dire que c'est inacceptable. Particulièrement, il m'arrive de critiquer les Africains eux-mêmes parce que des pays d'Afrique devaient s'organiser, entrer en Libye et empêcher cela parce que c'est tout à fait inacceptable. Ensuite, les narco-États, les narcotrafiquants défilent en Afrique, vente d'armes, vente de drogue.
ils font ce qu'ils veulent dans notre continent. L'économie criminelle prend un grand essor. Tout le monde est au courant. Et plus grave maintenant, la ressource la plus importante de l'Afrique, ce ne sont pas ses ressources naturelles, c'est sa ressource humaine et particulièrement la ressource jeunesse. Et cette jeunesse aujourd'hui, on parle de migrants. En réalité, est-ce que ce n'est pas un exode? Des jeunes qui quittent le continent, prêts à mourir, noyés, brûlés dans le désert ou noyés dans la Méditerranée. Est-ce que tout le monde mesure la gravité, la tragédie de ce qui se passe avec ces jeunes? Donc, l'Afrique fait face à tous ces défis. Il n'empêche que nous sommes convaincus que l'Afrique reste l'avenir du monde, que l'Afrique a un potentiel immense. Nous aimons beaucoup la formule de l'économiste et philosophe sénégalais Felwine Sarr, qui dit que l'Afrique n'a qu'elle-même à rattraper. Elle n'a personne d'autre à rattraper. L'Afrique doit prendre ses responsabilités et faire face à ses propres défis. Si nous serons 2,4 milliards à 2,5 milliards en 2050, avec plus d'un milliard d'Africains de la classe moyenne, donc de consommateurs, en plus de 1 milliard d'Africains qui seront aussi des internautes, comme dit Jean-Louis Roy, l'ancien secrétaire général de la francophonie, il se passe une métamorphose qui n'est pas vraiment bien notée. Il y a un basculement des richesses du monde vers l'Asie et vers l'Afrique. Et il dit que l'Afrique a l'avantage maintenant du dividende démographique, contrairement à ce qu'on nous dit. L'Afrique peut prendre toute la Chine, toute l'Inde, tous les États-Unis sur son territoire et il reste encore de l'espace. L'Afrique n'est pas surpeuplée. L'Afrique n'est surpeuplée que parce que ses économies sont défaillantes et que l'Afrique n'arrive pas à prendre ses responsabilités par rapport à sa progression démographique. En dehors de cela, nous avons de l'espace, nous avons toutes les ressources et l'Afrique peut jouer un rôle essentiel dans l'avenir du monde. D'ailleurs, beaucoup l'ont compris qu'en nous disant que l'Afrique est dangereuse, ils foncent en Afrique. Ils prennent leur billet pour aller en Afrique parce qu'ils savent que beaucoup de choses se jouent dans notre continent. Maintenant, un des reproches que je fais à mon continent, c'est de dire qu'on continue à bâtir des structures, des systèmes comme la ZLECA, qui est excellente. L'Afrique veut avoir un marché commun, mais on refuse toujours de mettre la politique au poste de commande. On refuse de parler de l'union politique. Nous avons suivi le modèle de l'Union européenne. Depuis 20 ans, j'ai toujours défendu que l'Union européenne n'était pas notre modèle. Nous voulons le modèle que nos leaders, nos grands penseurs ont posé, les Kwame Nkrumah, les Cheikh Anta Diop. Nous voulons les États-Unis d'Afrique. Nous voulons une Afrique unie. Nous ne voulons pas une Afrique comme l'Union européenne, de 27 États maintenant, 27, tous indépendants, tous souverains, où les décisions sont difficiles à prendre. L'Union européenne unie, le lendemain, elle est la première puissance du monde. Elle est la première puissance du monde parce qu'elle dépasserait les États-Unis en GDP, en PIB et autres. L'Afrique unie, dit Béchir Ben Yahmed de Jeune Afrique, le lendemain, l'Afrique est le quatrième pays du monde en PIB, en population, en potentiel, etc., etc. Mais vous avez vu ce qui se passe. On essaie toujours d'éviter le débat sur l'Union. On dit que c'est un débat dépassé. Et on accélère la balkanisation du continent africain. De 32 pays, on est passé à 54. Le Soudan, ils nous l'ont morcelé en deux pays, initiative occidentale essentiellement, nous disant que ça a réglé les problèmes du Soudan. Le Soudan est dans une situation plus catastrophique qu'avant sa balkanisation. Donc là aussi, ça n'a pas réussi. On nous dit la Centrafrique, si ça ne marche pas, vous coupez en deux pays. On veut enlever l'Azawad du Mali. On veut même peut-être transformer le Mali en trois pays, le centre, le nord, etc. La RDC, on nous dit que ce n'est pas viable. C'est pour ça que ça ne marche pas. Il faut casser une dizaine d'États, si possible. Le Nigeria même, on nous dit que ça marche provisoirement et ça ne marchera pas. Il faudrait se séparer de ça. Et si on continue comme ça, dans un continent qui est une sorte de continent île, on aura 80 États. On aura des milliers de frontières. Plus personne ne pourra bouger en Afrique. On ne pourra plus rien faire ensemble. Donc nous exigeons aux États africains de reconsidérer leur stratégie. Le paradigme de l'Afrique balkanisée, chevauchée individuelle, ça mène à un échec collectif. Nous voulons que les Africains se ressaisissent. Exigeons ici et maintenant, sans plus attendre, si j'étais moi dans la mesure de le faire, la capacité de le faire, nous exigerons un poste de membre permanent au Conseil de sécurité. Sans attendre la fin des négociations, on nous fait tourner en rond depuis 20 ans. Si on avait un membre permanent avec droit de veto, la Libye ne serait pas envahie, Kadhafi assassiné et l'Afrique plongée dans le désarroi actuel. Nous exigeons ce poste. Nous sommes 54 États membres aux Nations Unies, un quart des membres du système. Et nous sommes exclus des décisions majeures parce qu'on ne peut avoir que des membres non permanents. Et nous exigeons ce poste et l'Afrique doit se donner une stratégie. Je termine en disant que l'urgence africaine numéro 1 aujourd'hui porte sur les questions de sécurité.
l'État islamique commet des assassinats en RDC. Ils ont compris que l'Afrique, ce sont des terres, l'Afrique, ce sont des forêts, l'Afrique, ce sont des ressources hydriques. Ces gens sont des entrepreneurs criminels qui ont mis en place leur stratégie. Ils pensent qu'ils doivent, comme la Chine, comme l'Inde, comme tout le monde, venir prendre leur part d'Afrique. Donc nous, nous exigeons la libération du Mali. C'est une urgence continentale. Une armée de 5 000 hommes, 10 000 hommes ne suffira pas. Il nous faut une armée de 50 000, 100 000. L'armée africaine dont on parlait, c'est l'occasion de la mettre en œuvre. Il nous faut secourir le Burkina Faso, qui est en train de tomber. Et si le verrou burkinabé tombe, ils entrent au Bénin, ils ont une façade atlantique, les terroristes vont s'installer durablement et rendre tout développement en Afrique impossible. Il faut parler au Nigeria. Il lui faut régler la question Boko Haram. La plus grande organisation terroriste du monde aujourd'hui, c'est Boko Haram. 29 000 morts déjà au Nigeria. Et il continue d'assassiner, d'empêcher aux jeunes filles, aux enfants d'aller à l'école, d'égorger des instituteurs, d'attaquer des églises. Il faut qu'on mette un terme à tout ça. Il faut absolument qu'on mette un terme à tout ça. Voilà, chers amis, ce que je voulais dire en disant que les schémas qui nous ont été proposés n'ont pas marché. L'agriculture n'est pas réglée en Afrique, pas de sécurité alimentaire. L'éducation n'est pas réglée, la santé n'est pas réglée, les infrastructures ne sont pas réglées. Et parfois, dans des rencontres comme ça, on nous dit l'Afrique se porte bien. Parmi les 10 pays qui ont la meilleure croissance du monde, il y a 6-7 pays africains. C'est excellent de nous encourager, mais c'est mieux de nous laisser nous-mêmes déterminer l'avenir que nous voulons donner à notre continent. Merci. Merci pour votre intervention qui véhicule beaucoup d'énergie et de propositions. Je ne suis pas surpris, étant habitué à vous depuis quelques décennies.